Coucou tout le monde, c'est Lily, je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour vous faire la vidéo de présentation de ma pile à lire, du Pumpkin Autumn Challenge. On est le 20 septembre, donc j'ai mis du temps un petit peu à la confectionner. J'attendais de recevoir 2-3 services de presse aussi de la part de certaines maisons d'édition parce que je les ai choisis pour ce challenge. Donc j'ai repris mon petit calepin avec les catégories. Et je vais vous présenter un petit peu ma pile à lire qui est assez conséquente. Pour ce challenge, je vais faire le festin des ténèbres, c'est-à-dire que je vais valider toutes les catégories. Voilà. Donc j'ai choisi un livre par catégorie. Des fois le choix était un petit peu cornélien, mais je m'en sors assez bien quand même. Et j'ai réussi à sortir des livres de ma pile à lire. Un petit peu. Un petit peu. Alors le premier menu, c'est Automne frissonnant. Première catégorie, viens flotter avec nous. Donc on devait choisir un livre autour de l'horreur, des clowns, du thriller, de l'épouvante, rouge ou fantôme. En tout cas c'est ce que j'ai noté. Et pour cette catégorie, j'ai choisi L'enfant des forêts aux éditions du Tripode de Michel Hauteville. C'est un homme et un enfant qui habitent une forêt. Et en fait l'homme est à la fois un chasseur ou un ogre pour l'enfant. On est sur une sorte de conte cruel, une fable un petit peu horrifique. Et j'en sais pas plus, voilà, ça va être un peu horreur. Ça me faisait beaucoup penser aussi au clown de ça, la couverture est rouge, donc je me suis dit que pour compléter cette catégorie, celui-ci tombait à pic. Et on n'est pas sur de la littérature adolescente, lui il est vraiment sorti pour de la littérature adulte, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Puis en général les éditions du Tripode font de très bonnes sélections pour leur ligne éditoriale. Ensuite, j'ai sorti, ça c'est un livre qui est dans ma pile depuis longtemps et ça fait aussi un moment que je veux le lire et je crois que je l'avais déjà sélectionné pour le Pumpkin Autumn Challenge une année, mais je l'avais jamais lu en fait. C'est donc la catégorie L'enfer des backrooms, donc il fallait une dimension parallèle, un labyrinthe, une légende urbaine, ou un mystère. J'ai pas de dimension parallèle, en tout cas pas vraiment dans celui-ci, c'est plus le côté labyrinthe et mystère qui va jouer son rôle. J'ai choisi Le labyrinthe de Pan de Cornelia Funke et de Guillermo del Toro. Parce que, déjà labyrinthe, je crois que c'est tiré d'une fable, quand même aussi d'une légende urbaine. Je suis pas sûre, mais lui me tente depuis trop longtemps, j'ai vu l'adaptation il y a très longtemps aussi. Et ça fait un moment qu'il est dans ma pile à lire. Voilà, donc je le sors enfin pour ce challenge et j'ai vraiment hâte. Je vous en parle pas, du coup c'est la surprise, j'ai pas envie de me replonger dans la quatrième de couverture au cas où. Dernière catégorie de ce menu, c'est Perfectly Splendid. Donc on est autour des fantômes, de la famille, du manoir, du gothique, des possessions et des drames. J'ai un petit peu triché, tout petit peu. J'ai surtout axé sur le côté gothique, possession et drame avec le choix de The Wicked Deep de Shea Hershow. C'est la malédiction des Swan Sisters. C'est le premier volume d'une trilogie ou d'une duologie. Je ne suis pas sûre à 100% de moi à l'heure actuelle. Mais en fait, vous avez le tome 2 qui est sorti, mais il y a un autre tome avec qu'elle a écrit. Et je ne sais pas si ça fait partie de la série ou pas. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire. Est-ce que j'ai les titres quelque part? Mais du coup, lui, il est sorti en poche. C'est ça qui est bien. Non, j'ai pas les titres. C'est pas grave. Et en fait, je l'ai choisi parce que dans ce livre-là, donc on a trois jeunes filles qui avaient été accusées de sorcellerie et qui ont été noyées, exécutées. Et en fait, tous les ans, oui c'est ça, tous les ans au mois de juin, ils sortent des eaux dans lesquelles elles ont été noyées et ils prennent possession des corps des jeunes filles pour se venger. Et du coup, comme il y a une possession, c'est un petit peu gothique avec des sorcières, je me suis dit, ça passe. Ça passe. Ensuite, deuxième menu, auteur douceur de vivre, première catégorie, Something Wicked This Way Come. On est sur Halloween, octobre, automne et fête foraine. J'avais pensé à la fête de l'horreur, je crois que c'est comme ça le titre de Ray Bradbury, mais j'ai reçu un service de presse, enfin, c'est pas un service de presse celui-ci, je crois que je l'ai emprunté, qui n'était pas forcément attendu. Enfin, je me rappelle plus du tout que je l'avais choisi dans mes nouveautés pour mon rayon littérature adolescente. Il s'agit de Cache-cache mortel de Kirsten White, qui avait écrit aussi La Duperie de Guenièvre, donc L'Ascension de Camelot, que j'avais beaucoup aimé. J'ai vu que le premier volume, mais du coup il a fait toute une trilogie aussi des légendes arthuriennes. Dans celui-ci, notre héroïne est invitée à jouer à un cache-cache gigantesque dans un parc d'attractions abandonné en fait, et il y a 50 000 $ à la clé de ce cache-cache.
Sauf qu'en fait, les gens commencent vraiment à disparaître pendant ce cache-cache. Et ça a l'air trop bien. Et du coup, voilà, je me suis dit, il faut que je choisisse. Parce qu'il y a le côté fête foraine, il y a le côté vraiment un peu halloweenesque, mais dans le jeu macabre. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, il faut que je le lise celui-ci. D'ailleurs, je pense commencer par lui parce qu'il me fait vraiment l'œil depuis que je l'ai vu arriver. Pour la deuxième catégorie de ce menu, donc poupée de souvenirs automatiques à votre service, on est sur un livre épistolaire, sentiments, émotions, deuil, gratitude et amour. J'ai un petit peu dérivé parce que je voulais vraiment lire ce livre, mais je ne savais pas vraiment dans quelle catégorie le mettre. Et j'ai choisi de lire pour cette catégorie Les Sorcières de Vardo de Anya Bergman, qui va sortir le 26 octobre, ça c'est l'épreuve non corrigée. Bon, ça se passe donc en Norvège en 1662 et c'est une jeune femme qui vient juste d'être veuve, elle va être emprisonnée pour sorcellerie dans une sorte de forteresse. Et sa mère... Attendez, qu'est-ce qu'elle dit ? C'est tout. En fait, ça met en avant, pardon, des femmes assez fortes pour l'époque, qui sont toutes considérées comme des sorcières. Il y a beaucoup d'émotions dans ce livre apparemment. Et ça fait écho bien sûr au procès de sorcières de Vardo. Et ça se passe en Norvège. C'était aussi pour ça que je voulais absolument le lire. Et on a dit beaucoup de bien. Donc sorcière, qui dit sorcière dit évidemment Pumpkin Mountain Challenge. Mais là, on était vraiment sur le côté femme plutôt. La femme, sa figure, ce qu'elle a représenté au fil des siècles et aussi toutes les atrocités qu'elle a pu subir à cause de ça. Et du coup, je me suis dit que celui-ci convenait à cette catégorie. Mais je triche un petit peu, je pense. Troisième catégorie, la Dame Chouette des Îles Bouillantes. On est autour de la sorcière, la magie, la malédiction, l'école et l'amitié. J'avais tellement hâte que celui-ci sorte en français. Je l'avais vu passer sur la chaîne Booktube de... Comment ça s'appelle ? C'est pas The Book Roast. C'est une autre booktubeuse américaine qui a créé vraiment son gros univers à elle. Elle a même créé une société secrète en fait de lecture. Et le premier livre qu'elles avaient lu, c'était la version anglaise de La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana. Et lui, je pensais pas qu'il allait sortir aussi rapidement en français, mais voilà, il est là maintenant. C'est édité par Lumen, la couverture est juste magnifique. Et du coup, il convient parfaitement parce qu'on a une école, on a de l'amitié, on a des sorcières et on a de la magie. Et il a l'air trop bien. Voilà. La couverture est trop belle. Ensuite, alors c'est une catégorie que j'ai pas tout à fait compris, pour le coup, parce que faut que je revoie la vidéo de Guimouze par rapport à ça. C'est la catégorie qui s'appelle la loi fondamentale de l'échange équivalent. Donc c'était sur soit on partageait une lecture ou un film. Et du coup, je sais pas s'il faut qu'on fasse ça sur son groupe à elle ou si c'est vraiment un peu comme on veut. Mais bref, en tout cas, pour cette catégorie, c'est un peu entre les deux parce que j'ai choisi Kiki, la petite sorcière, le premier volume de Eiko Kadono. Donc c'est l'animation Ghibli. J'avais trop envie de me lire ça pour le Pumpkin Mountain Challenge. Et du coup, c'est le premier volume de cette série-là et... Je vais le partager avec vous par rapport au book, je pense book vs adaptation, peut-être vous faire un petit retour, qu'est-ce que j'en pense, on verra, mais du coup ce sera une lecture à partager. Troisième menu, automne des bois et au-delà. Alors là c'est la catégorie qui m'a fait tellement plaisir parce que Guimauze fait partie des personnes qui vont participer en fait au podcast entre guillemets, ou plutôt la lecture comptée de Mémoire de la forêt tome 1. Elle fait la voix de Maud, si je dis pas de bêtises, et je sais qu'elle a été notée voilà, dans le petit descriptif en fait de ces lectures, et ça pouvait que lui plaire ce livre là j'étais sûre qu'elle allait adorer. Et du coup elle a créé une catégorie pour Mémoire de la forêt qui s'appelle Pomme alors, c'est le goût de la tarte aux amandes. Et là, nous sommes autour des animaux, de la mémoire, du thé, de la gourmandise, des tendresses et de l'aide. Et j'ai reçu ce service de presse qui convient tellement à cette catégorie. Donc c'est La fille renard et la merveilleuse boutique sur pattes de Andy Sagar aux éditions Pocket Jeunesse. Il nous a envoyé une petite surprise avec, je vous la montrerai peut-être dans le vlog. Et j'ai tellement hâte de le lire celui-ci. C'est une jeune fille, en fait, elle a des oreilles de renard. C'est une certaine particularité, elle s'appelle Felicity Fox d'ailleurs. Et elle a été abandonnée à cause de ça. Et elle va se retrouver dans une sorte de cabane ambulante, donc on est typiquement sur une sorte de Ghibli, qui fait des gâteaux enchanteurs, il y a des clients un peu étranges. Donc là, il convient tellement à cette catégorie, il ne pouvait pas mieux tomber celui-ci. Ensuite, ça se complique un tout petit peu.
Deuxième catégorie, légende de la hache noire, médiévale, chevaleresque, quête, épopée et fantasy. J'ai un service de prêt justement d'un livre qui va sortir en octobre, si je dis pas, le 5 octobre. Il s'agit, alors, d'Écailles d'obscurité, livre 1, Obsidienne, de Gaëlle Maumont aux éditions Gulfstream, avec un très beau jaspal, assez simple, mais au moins les éditions françaises s'y mettent, ça c'est génial. Et là on est typiquement voilà, sur un livre d'épopée chevaleresque. Avis à tous ceux qui ont adoré Botero, celui-ci a l'air vraiment très sympa pour ceux qui ont été des fans incontournables du Pacte des Marchombres de Eleana. Donc ça va vous plaire je pense. Et lui j'ai hâte aussi de le découvrir, même s'il a l'air costaud quand même un petit peu. Mais les dessins sont vraiment magnifiques. Il y a un peu d'illustration, si est-ce que j'ai quelque chose à vous montrer, voilà. Il sort le 5 octobre celui-ci. Ensuite, là c'était un autre service de presse que j'avais demandé depuis un petit moment, bah, avec justement la société très secrète des sorcières extraordinaires. Donc c'est pour la catégorie La Mélodie Infernale de la Corne de Chasse, Monstres, Créatures, Expéditions et Aventures. Et je vais lire Dents de Soie de Maëlle Dessart aux éditions Slalom, qui est sorti là il n'y a pas très longtemps. Et on est sur une sorte de réécriture de La Fée des Dents, mais version un peu plus morbide, un peu plus monstrueuse, des certaines créatures. Et du coup, je trouve qu'il convenait parfaitement pour la saison et surtout pour cette catégorie. Ensuite, la dernière catégorie de ce menu, c'est Rocket Raccoon on the Run. On est sur de la mutation, expérience scientifique, SF, chasseur et gardien. Et à la sortie du tome 2, j'ai le représentant d'une maison d'édition qui m'a envoyé le tome 1, justement, pour que je puisse me travailler dessus. Et il s'agit du tome 1 des Dossiers du Voile de Adrien Thomas aux éditions Fleurus. Il vient juste d'en sortir un, c'est les Dossiers de Circé, ou en tout cas il y a un nom comme ça, je ne sais plus comment il s'appelle. Et on est typiquement sur des chasseurs un petit peu, on est sur une brigade de régulation des espèces méta-humaines de Paris. Ça peut pas être mieux que ça. Et du coup on voit plein de créatures différentes, on a un côté un peu scientifique évidemment, de la SF, des chasseurs et des gardiens. Donc ça convient parfaitement, mais j'ai eu du mal au début à le placer ce livre-là, mais cette catégorie tombait à pic. Ensuite, dernier menu, automne rayonnant. Il m'en manque deux pour ce menu. Il me manque pour la catégorie We'll Always Find. Tu te calmes, Nilou. We Will Always Find a Way. Donc, on est autour des cristaux, des facettes, singularité, développement personnel, feel good. Là, je ne savais pas du tout quoi mettre. Je pense que je vais peut-être. On va voir, mais j'ai quelques petits livres autour des. On dit déjà mince, de la façon de penser japonaise, du l'ikigai, ce genre de choses. Donc peut-être que j'en placerai un ici, je sais pas, ça va être la surprise. Deuxième catégorie, c'est L'Esprit Indomptable de Jo March. On est autour de Place de la Femme, rêve, écrivaine, indépendance. Ça fait tellement longtemps que je voulais lire celui-ci. Il y a le tome 2 aussi qui est sorti depuis un petit moment. On est sur une jeune femme qui rêve en fait de devenir chirurgienne. Mais sa passion, voilà, c'est pas forcément ce que veut sa famille. Et du coup, elle va se retrouver mêlée à... Oh, qu'est-ce qu'il y a déjà? Voilà, elle va étudier sur des cadavres. Mais du coup, ça se passe pas tout à fait comme prévu. Donc, on est autour d'une femme qui a un rêve assez singulier aussi. Et du coup, elle veut tout faire en sorte pour que son rêve se réalise. Il y a une petite romance, c'est un peu macabre. Et il a été bien noté, en tout cas sur les réseaux. Donc, on va voir ce que ça va donner. Et dernière catégorie de ce menu que je n'ai rien trouvé encore, c'est Siúl Éireann Maureen. Donc on est autour de l'Irlande, du petit peuple, des mythes celtes et autour du vert, de la nature, nature writing. Je pouvais mettre plein de choses, mais pour l'instant j'ai décidé d'attendre un petit peu. Parce qu'en fait je ne savais pas du tout pour Maureen. Ceux qui ont vu la vidéo de Guimauze ont dû l'apprendre, mais en fait Maureen c'était une booktubeuse. Il me semble qu'elle était bibliothécaire aussi. J'ai vu une ou deux de ses vidéos en fait il y a très longtemps. Et apparemment elle est tombée malade et elle en est morte assez. Ça a été assez fulgurant. Et Guy Moselle était assez proche. Et du coup, elle a voulu faire une catégorie pour elle. Ce que je comprends tout à fait. Et le choix en plus est vraiment intéressant au niveau des thèmes qu'elle a sélectionnés. Donc pour celui-ci, je ne sais pas encore ce que je vais mettre. J'ai un livre à la librairie qui est autour des légendes celtes, donc je pense peut-être partir sur celui-ci. Sinon, j'essaierai de vider un petit peu ma pile à lire, on verra.
Mais vous le découvrirez dans mon vlog, en tout cas pour le Pumpkin Mountain Challenge. Je pense essayer de vous sortir cette vidéo assez rapidement. J'en ai du coup 4 là à vous monter parce que j'en ai tourné 3 déjà ce matin. D'autres dettes lecture, mais du coup ça sera pas mal. Du coup vous aurez un vlog, c'est ça que je voulais dire surtout. Vous aurez un vlog pour le Pumpkin Mountain Challenge qui bien sûr se terminera avant le début du Cold Winter Challenge. Et pendant ce vlog aussi, donc je ferai mes lectures, mais vous me verrez aussi faire des cours de japonais parce que j'ai repris le japonais. J'en avais fait il y a très longtemps, quand j'étais en seconde. Donc il y a quand même quelques années, j'avais fait un an de japonais. J'avais fait ça avec le CNED en parallèle de mes cours et de mes notes de seconde. Donc c'était compté dans ma moyenne et j'allais aussi tous les mercredis, en fait j'allais prendre des cours particuliers avec un professeur à Nantes. Et j'ai totalement lâché un peu le truc parce que je suis retombée dans la lecture roman. En seconde, j'étais tombée dans les mangas, d'où mon intérêt pour le japonais. Et après, il y avait le bac, après il y avait la fac, et après il y a eu le BTS, et après il y a eu ma licence de libraire. Et du coup, j'ai pas eu l'occasion de me remettre dedans, sachant que ça fait quand même quelques années que j'ai envie de recommencer. J'ai eu un gros intérêt pour le coréen pendant un moment, mais je me suis dit on va reprendre d'abord le japonais, puis après on verra pour le coréen. Donc je me suis remise à faire des cours à la maison, parce que j'ai quand même quasiment tous les manuels que je veux, entre guillemets, j'ai déjà un bon stock. Donc je ne vais pas reprendre des cours avec quelqu'un, ni par correspondance, mais pour l'instant je vais travailler de chez moi toute seule. Et du coup vous verrez ça dans le vlog. Donc si jamais vous avez aussi des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. Et c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai quand même 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, j'ai déjà 12 livres à lire. Ça va être du boulot, mais on va y arriver. Voilà. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne lecture.